Tout commence quelque part, quoi qu'en pensent beaucoup de physiciens. Mais on sent confusément le problème que pose un commencement. On se demande tout haut comment les conducteurs de chasse-neige se rendent à leur travail, ou comment les auteurs de dictionnaires vérifient l'orthographe des mots. Chacun nourrit cependant le désir constant de trouver un point dans les réseaux sinueux, noués et enchevêtrés de l'espace-temps, sur lequel on pourrait poser un doigt métaphorique pour indiquer que c'est ici, précisément, que tout a commencé. Quelque chose commença lorsque la guilde des assassins enrôla Monsieur l'heure du thé, lequel ne voyait rien comme tout le monde, entre autres parce qu'il voyait tout le monde comme des pas grand-chose. Le seigneur sédatif de la guilde expliquerait par la suite. On a eu pitié de lui parce qu'il avait perdu ses deux parents très jeunes. Je pense à la réflexion que le détail aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais tout avait commencé bien avant ça, à une époque où on oubliait souvent que les très vieilles histoires parlent tôt ou tard de sang. On les avait d'ailleurs par la suite débarrassées de toutes les allusions sanglantes afin de les rendre plus convenables aux oreilles des enfants. Enfin, surtout convenables aux oreilles des parents chargés de leur faire la lecture plutôt qu'à celles des enfants, qui, dans l'ensemble, sont friands de sang pourvu que ce soit celui qui le mérite qui le verse. Puis on s'était demandé à quoi elle rimait. Et même avant, quand quelque chose tapit dans les ténèbres de cavernes insondables et de forêts sinistres songeait « Que sont-elles ces créatures ? Je vais les observer. » Et encore bien avant, au moment de la création du disque monde, qui dérive à travers l'espace sur le dos de quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur la carapace de la tortue géante, la grande Atuin. Peut-être qu'au cours de ses déplacements, il s'entortille, tel un aveugle dans une maison envahie de toiles d'araignées, dans les fils ténus d'espace-temps très spécialisés qui cherchent à se développer dans toute histoire qu'il croise et qui les distendent, les disloquent et leur donnent de nouvelles formes. Mais peut-être que non, bien sûr. Le philosophe Didactylos a résumé une hypothèse différente par la formule « Les choses arrivent, un point c'est tout, rien à glander ». Aube. L'aurore recolore la pâle copie du ciel. Elle attire les couleurs dans de larges filets, avant de les relâcher, sur la toile froide. Elle estompe les gris, recouvrant d'or le nuage qui dort, tout pesant de pluie, lui annonçant ainsi la fin de la nuit. Les oiseaux comblés déploient leurs ailes pour les réchauffer, plumes glacées, libres dans les nuées. Grand bleu. J'y ferais bien un plongeon, une silencieuse immersion, sans en troubler la surface. Pas le moindre petit rond, de mon seau aucune trace. Me fondre dans ce camailleux, m'enduire de cette palette jusqu'aux teintes violettes, imprégnée de tous les bleus, en apnée dans mon élément, livrée tout entière à l'océan. Le bonheur de Paul Fort, aux éditions Rue du Monde. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite. Il va filer. Si tu veux le rattraper, cours-y vite et cours-y vite. Si tu veux le rattraper, cours-y vite. Il va filer. Dans l'âche et le cerf polé, cours-y vite, cours-y vite, dans l'âche et le cerf polé. Cours-y vite, il va filer. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, cours-y vite. Sur les cornes du bélier, cours-y vite, il va filer. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, cours-y vite. Sur le flot du sourcelet, cours-y vite, il va filer. De pommiers en cerisier, cours-y vite, cours-y vite. De pommiers en cerisier, cours-y vite. Il va filer. Avis de tempête. La mer se rebelle sous la menace du ciel. Dans un grondement, la terre s'en mêle. Sa force se propage dans mes artères. Le vent frappe mon visage, il électrise l'atmosphère. Coup de sang, coup de tonnerre, dans mon âme de guerrière prête à affronter l'orage. Grain.
Un grain de sable n'est peut-être rien, une poussière dans l'univers, mais il peut signifier beaucoup lorsqu'il s'ajoute au tout, causant parfois des ravages dans l'engrenage. Mais moi, plutôt rebelle, je me sens grain de sel. Partout, de Alain Cérès, extrait du livre « Chaque enfant est un poème », édition Rue du Monde. Je suis un enfant de partout, un enfant de Paris, de Cotonou, un enfant de l'ombre des montagnes, des plis rouges d'un panier. Je suis un enfant des nids de moineaux, de Mulhouse, de Baltimore, des petits bateaux de la baie de Rio, et pire encore. Je suis un enfant de quelque part, né de l'amour entre la chance et le hasard. Un enfant avec un nom, un prénom, mais un enfant qu'on appelle terrien parce que sans moi, cette planète n'est rien. Je vais vous lire un texte d'Alain Serre, extrait du livre « Tous les enfants ont droit à la culture » aux éditions Rue du Monde. Un jour, je nais. Un jour de soleil ou de pluie, dans ce pays ou dans un autre. Et aussitôt, je vois des yeux, des bouches et des sourires. J'entends des mots tendres dans la langue que parle ma famille. Je vois des formes, 3, 20, 1000. Je les reconnais. Arbre, chien, maison, bisous. J'aime les odeurs qui montent des marmites ou des fleurs. J'apprends à les nommer, puis à les compter. Je répète les chansons que chantent mes grands-parents. Mais je suis vite curieux des enfants d'ailleurs, des mots étranges qu'ils prononcent. Quels sont leurs jeux? Qu'est-ce qui les fait rire là-bas, très loin de chez moi, tout près de chez eux? Le monde est immense, et j'ai le droit de savoir que la terre, cette énorme boule de roche et d'eau, c'est la maison de tous les humains. Pareil d'Oli. Allongés sur le sable, nos yeux scrutent les nuages. Nous faisons du ciel notre page. S'y dessinent des formes familières. Une étrange silhouette, un visage, messager silencieux de l'univers, dont le langage reste un mystère. Elle, c'est elle, face à la nature, sa chevelure dans le vent, souffle de liberté. C'est elle, son visage empourpré dans le paysage emmitouflé. C'est elle qui s'enracine et s'incline devant l'immensité. Charman, texte d'Alain Serre, extrait du livre « Je serai 3 milliards d'enfants » aux éditions Rue du Monde. C'est dans une maison aux murs en coton que Charman a trouvé refuge. Elle ne sait pas où le vent de la ville l'emportera, mais son bonheur est immense. Depuis une semaine, elle a retrouvé sa mère et deux de ses sœurs. Les gens du Haut Commissariat aux Réfugiés, HCR, ont réussi à les identifier sur des photos et à les regrouper. Et puis, demain, l'école va débuter, une école au mur de chiffon, elle aussi. Charman a raconté à sa mère le grand bateau à voile qu'elle a vu la nuit de leur retrouvaille. Toute la famille était réunie à bord. Le navire partait loin des gens du HCR, si attentifs pourtant. Loin des maisons qui se froissent, comme le t-shirt roulé qui lui sert d'oreiller. La tour et la dame. Le phare en contre-plongée, mon repère dans la brume. Personnage en noir et blanc, élégant dans son costume. Il en impose verticalement. Loin d'être un simple pion, le maître surveille l'horizon. Je suis la dame sur l'échiquier. De lui, j'ai décidé de m'emparer. Du phare, je rejoindrai le sommet. J'avance mot par mot, en ligne droite. Juste pour le plaisir d'écrire « Échec et mat ». Couvre-feu. Le couvre-feu n'aura pas lieu. Tous les soirs, j'utiliserai mon pouvoir.
celui de m'évader. Je ne manque pas d'air dans mon imaginaire, pas de police de la pensée, ni de laisser passer. Je ferai le mur cette nuit, j'en suis sûre, j'irai de l'autre côté. Ensemble c'est tout, de Anna Gavalda, aux éditions Le Dilettante. Tu dors maintenant ? Non, je guette le bout de ta cigarette. Tu sais, je... Tu quoi ? Je pense que tu devrais rester. Je pense que tout ce que tu m'as dit sur Philibert à propos de mon départ est aussi valable pour toi. Je pense qu'il serait très malheureux si tu t'en allais et que tu es garant de son fragile équilibre au même titre que moi. La dernière phrase. Tu peux la redire en français ? Reste. Non, je suis trop différent de vous deux. On mélange pas les torchons et les serviettes, comme dirait ma mémé. On est différents, c'est vrai, mais jusqu'où ? Peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on forme une belle équipe de bras cassés tous les trois, non ? Tu l'as dit. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire différent ? Moi qui ne sais même pas me faire cuire un œuf, j'ai passé la journée en cuisine. Et toi qui n'écoutes que de la techno, tu t'endors avec Vivaldi. C'est de la foutaise, ton histoire de torchons et de serviettes. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Au contraire, sans toi, je n'aurais jamais su reconnaître une feuille de pourpier. Pour ce que ça va te servir. Ça aussi, c'est de la connerie. Pourquoi me servir ? Pourquoi toujours cette notion de rentabilité ? Je m'en tape que ça me serve ou pas. Ce qui m'amuse, c'est de savoir que ça existe. Tu vois qu'on est différents ? Que ce soit toi ou Filou ? Vous n'êtes pas dans le vrai monde. Vous n'avez aucune idée de la vie, de comment il faut se battre pour survivre et tout ça. Moi, j'en avais jamais vu des intellos avant vous deux. Mais vous êtes bien comme l'idée que je m'en faisais. Et c'était quoi ton idée ? C'était « Piou piou, oh les petits oiseaux, oh les jolis papillons, piou piou, qui sont mignons. » Vous reprendrez bien un chapitre, mon cher. Mais oui, mon cher, deux même. Ça m'évitera de redescendre. Ah non, ne redescendez pas. Ça pue trop en bas. Oh, t'as raison, on va pas y arriver. Il vaut mieux que tu te casses. Mais laisse-moi te dire deux choses avant de te souhaiter bonne route. La première, c'est à propos des intellectuels, justement. Ah, c'est facile de se foutre de leur gueule. Ouais, c'est vachement facile. Souvent, ils sont pas très musclés. Et en plus, ils n'aiment pas ça se battre. Ça ne les excite pas plus que ça. Le bruit des bottes, les médailles et les grosses limousines. Alors oui, c'est pas très dur. Il suffit de leur arracher leur livre des mains, leur guitare, leur crayon ou leur appareil photo. Et déjà, ils ne sont plus bons à rien, ces empotés. D'ailleurs, les dictateurs, c'est souvent la première chose qu'ils font. Casser les lunettes, brûler les livres ou interdire les concerts. Ça leur coûte pas cher. Et ça peut leur éviter bien des contrariétés par la suite. Mais tu vois, si être un intello, ça veut dire aimer s'instruire, être curieux, attentif, admirer, s'émouvoir, essayer de comprendre comment tout ça tient debout et tenter de se coucher un peu moins con que la veille. Alors oui, je le revendique totalement. Non seulement je suis une intello, mais en plus, je suis fière de l'être. Vachement fière même. Et parce que je suis une intello, comme tu dis, je ne peux pas m'empêcher de lire tes journaux de moto qui traînent aux chiottes. Et je sais que la nouvelle BMR 1200 GS, avec un petit bidule électronique pour rouler avec de l'essence pourrie, a... Qu'est-ce que tu me chantes encore ? Et tout un télo que je suis, je t'ai piqué tes BD de Joe Bartim l'autre jour. Et ça m'avait gloussé tout l'après-midi. La deuxième chose, c'est que t'es vraiment mal placé pour faire la morale, mon gars. Tu crois que c'est vrai ?
Le vrai monde, ta cuisine? Eh bien, bien sûr que non. C'est tout le contraire. Vous sortez jamais. Vous êtes toujours entre vous. Qu'est-ce que tu connais du monde, toi? Rien. Ça fait plus de 15 ans que tu vis enfermée avec tes horaires inamovibles. Ta petite hiérarchie d'opérette, ton ronron quotidien. Peut-être quand même que t'as choisi ce boulot-là pour ça, d'ailleurs. Pour ne jamais quitter le ventre de ta mère et pour avoir la certitude que tu seras toujours bien au chaud avec plein de bouffe autour de toi. Va savoir. Tu travailles plus et plus dur que nous. Ça, c'est une évidence. Mais nous, tout un télo qu'on est, on se le coltine, monde. Piou, piou, on descend tous les matins, Philibert dans sa boutique et moi dans mes étages. Et t'inquiète pas que pour s'y frotter, on s'y frotte. Et ton truc de survie, là? Life is jungle, struggle for life. Et tout ce merdier, on le connaît par cœur. On pourrait même te donner des cours si tu voulais. Sur ce, bonsoir, bonne nuit et bonne année. On serait fou, là. Pardon? Ah, rien, je disais que tu n'étais pas très folâtre. Non, je suis acariâtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouvre un dico et tu trouveras. Camille. Oui. Dis-moi quelque chose de gentil. Pourquoi? Pour bien commencer l'année. Non. Je ne suis pas un jukebox. Allez. Laisse donc les torchons et les serviettes dans le même tiroir. La vie est plus amusante quand il y a un peu de bordel. Et moi? Tu veux pas que je te dise quelque chose de gentil? Pour bien commencer l'année? Non. Bah si. Vas-y. Tu sais, ils étaient magnifiques, tes toasts. Empire des lumières. Tout est plus clair dans la lumière. Dans le ciel, je cherche l'évidence. Le soleil, mais de lui aucune trace. La lune a pris place, imprimée en filigrane sur un fond bleu céruléen. La nuit passe son tour, mais laisse une empreinte diaphane sur la toile du jour. Foire du temps, chacun était invité. Farfadets ou mendiants, ou d'hommes en mal de lutiner. Les nouveaux arrivants, la fée Carabosse, dans son carrosse, attelé de princes charmants, charmés en serpents. C'est la ronde des nuages. Ce tourbillon infernal, plein craqué de mirages, de petites fées banales. Poste et bonjour, le festin, dans un restaurant très chic. Le McBurger inhumain, on mange mal, on claque son fric. La grenouille se larbin. Annonça le grand Satan réélu président, la bande à Lucifer dans le quartier de l'enfer. La ronde des nuages, ce tourbillon infernal, plein craqué de mirages, de petites fées banales. Après le festin, la fête, sur les manèges nuages. Le diable président en tête, fait les éclairs en rage d'être sur la sellette. Après la fête, l'orage, alors chacun fuit dans sa tanière bien sage. Et puis, la pluie.
c'est la ronde des nuages, ce tourbillon infernal, plein craqué de mirages, de petites fées banales. C'est la ronde des nuages, ce tourbillon infernal, plein craqué de mirages, de petites fées hivernales.